Bien, c'est à ça qu'on reconnaît les bons professionnels, c'est des gens capables de faire face à des situations techniquement difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Hein, on a, comme tous les autres centres de traumatologie, 500 patients par an qui passent, donc l'expertise clinique soignante est au rendez-vous. Il y avait un traumatisme psychologique certain, puisque toutes les victimes avaient l'âge de nos infirmiers, de nos infirmières, et donc un processus d'identification qui était assez facile pour certains du personnel qui avait des proches, des parents qui étaient dans le Bataclan ou qui avaient été victimes de ces fusillades. Donc, conditions psychologiques très difficiles. Malgré ça, ils ont fait face avec énormément de dignité et d'efficacité.